Ensuite, donc pour les exemples d'espace vectoriel, donc maintenant on va considérer E, c'est l'ensemble K de X entre crochets, qui est donc l'ensemble des polynômes à coefficient dans K. C'est l'ensemble des polynômes qu'on a déjà définis en algèbre 1, la forme dans A0 plus 1x jusqu'à un certain an xn avec le n qui est un élément de n, ça peut être 0, ça peut être 1, et ainsi de suite. Donc, et A0 jusqu'à an sont des éléments qui varient dans K. Donc l'ensemble des polynômes, donc on sait que entre les polynômes, donc on a une autre composante interne qui est l'addition. Et on peut définir une loi externe en multipliant un polynôme par un élément de K. Donc avec P de la forme A0 plus A1x jusqu'à un certain AnXn, Q un autre polynôme donc de la forme B0 plus B1x jusqu'à BmXm, alpha un élément de K. Donc on a déjà la définition de l'addition entre les polynômes P plus Q. Donc c'est le polynôme dont les coefficients sont A0 plus B0 pour la constante, A1 plus B1 pour le coefficient de X, plus, et on continue, donc jusqu'à la fin, donc on peut rajouter ici des zéros, la bn plus 1, x puissance n plus 1 avec bn plus 1 égale 0, on peut rajouter 0, donc là on peut continuer jusqu'à dépasser le degré de p et le degré de q. Et alpha point p, c'est le polynôme dont les coefficients sont alpha fois a0, qui est un élément de k, plus alpha fois 1, qui est un élément de k, x plus jusqu'à alpha fois an fois xn. Donc avec ces opérations-là, donc ça c'est une loi interne, une loi de composition interne. La somme de deux polynômes est un polynôme de composition interne. Et là c'est une loi de composition externe, la multiplication d'un polynôme par un élément de K. Donc le alpha, il appartient à K et le P, c'est un polynôme. Donc quelles sont les propriétés de ces lois-là? Donc on sait déjà que P plus Q, c'est la même chose que Q plus P. La somme des deux polynômes est commutative puisque là les coefficients A0 plus B0, c'est la même chose que B0 plus A0. Le coefficient B1, A1 plus B1, c'est la même chose que le coefficient B1 plus A1, puisque là, les coefficients sont dans K. Car si on fait AI plus BI, c'est la même chose que BI plus AI, quel que soit I, puisque c'est la commutativité dans K. Dans son cas, c'est soit R, soit C. Donc, deuxième propriété, si on fait P plus un polynôme Q plus un autre élément T, c'est la même chose que de faire P plus Q plus T. Donc, avec T, c'est aussi un élément de K de X, c'est un polynôme. Et ceci car le coefficient de P plus Q entre parenthèses plus T va être de la forme AI plus BI, ensuite plus CI. Les coefficients de ce polynôme-là vont être de la forme AI plus entre parenthèses BI plus CI, quel que soit I. Ça vient du fait que l'addition est commutative dans K.
L'addition est commutative donc k. Donc ça nous permet d'avoir la associativité de l'addition donc k du x. Troisième propriété, ça on prend le polynôme nul, 0, le polynôme nul dont les coefficients sont nuls. Si on fait 0 plus p, c'est la même chose que p plus le polynôme 0, c'est toujours égal à 0. Quatrième propriété, si on note par moins p le symétrique de p, c'est le polynôme dont les coefficients sont les moins ai. Donc là, c'est moins a0 plus moins 1x plus jusqu'à moins an xn. Il est clair que si on fait p, le polynôme p plus le moins p, c'est la même chose que le moins p plus p. Ça donne le polynôme 0. C'est l'élément de l'addition dans k de x. Donc on a facilement les propriétés de 1 jusqu'à 4. Les propriétés 5, si on fait donc alpha point p plus q, ça nous fait alpha point, donc là on va avoir a0 plus b0, plus on va jusqu'à donc on va passer par donc a1, on va passer donc par a1, on va donc jusqu'à on va passer donc par 1 plus b1x. On va continuer pour les autres coefficients. Donc ça, c'est par définition alpha fois a0 plus b0, entre parenthèses, plus le deuxième coefficient, ça va faire alpha fois a1 plus b1 fois x, plus la même chose pour les autres. Là, c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, ça fait alpha fois a0 plus alpha fois b0, entre parenthèses, plus alpha fois a1 plus alpha fois b1, x, et la même chose pour les autres. Là, on retrouve l'addition de deux polynômes. Le polynôme dont les coefficients sont alpha a0 plus alpha a1, x, plus l'autre polynôme dont les coefficients sont le alpha b0 plus alpha b1x jusqu'au dernier qui est égal. Là, on retrouve le polynôme alpha point p plus le polynôme alpha point q. Donc, c'est pour la cinquième propriété. Ensuite, pour la sixième propriété. Donc pour la sixième propriété, donc pour la sixième propriété, on a donc il reste à vérifier la sixième, septième et huitième propriété, donc ils sont faciles à vérifier. Donc là, on va avoir donc on va vérifier la cinquième, donc la sixième propriété. Si on fait alpha plus bêta point un polynôme p, donc ça va donner alpha plus bêta fois le coefficient a0 plus tout ça, on peut l'appeler lambda, donc ça va faire lambda, c'est-à-dire alpha plus bêta fois a1 le tout fois x, et on continue jusqu'à alpha plus bêta
fois AN le tout fois XN. Et c'est égal, là à l'intérieur sont des éléments de K, les opérations sont dans K, c'est alpha à 0 plus bêta à 0 plus alpha à 1 plus bêta à 1. X, et la même chose pour les autres. Là, on retrouve là la somme de deux polynômes, le polynôme alpha à 0 plus alpha à 1 X plus jusqu'à alpha à n xn d'une part plus la somme avec l'autre polynôme qui est bêta à 0 plus bêta à 1 x jusqu'à bêta à n xn. Et là, à l'intérieur, donc là, on retrouve la multiplication externe d'un polynôme par alpha, c'est alpha point, le polynôme à 0, plus 1 x, plus bêta point, ce même polynôme, à 0, plus 1 x, c'est-à-dire, on trouve alpha p, alpha point p, plus bêta point p. Septième propriété, si on fait alpha fois bêta, point le polynôme P, ça fait donc alpha fois bêta fois A0 pour la constante, plus, pour le coefficient de X, ça fait alpha fois bêta fois A1, X, et ainsi de suite, jusqu'à alpha fois bêta fois A n xn. Et c'est égal, à l'intérieur ici les éléments sont dans K, on utilise la associativité de la multiplication dans K, ça fait alpha fois entre parenthèses bêta fois A0 plus alpha fois entre parenthèses bêta fois A1. Tout ça fois x plus jusqu'au dernier. Là, on a alpha fois ce coefficient, alpha ce coefficient, donc là, on retrouve la multiplication externe, alpha, point, le polynôme dont les coefficients sont bêta fois A0, plus bêta fois A1, x, jusqu'au dernier. Et ça, ça donne tout simplement alpha, point, entre parenthèses, là, on retrouve la multiplication externe de bêta par le polynôme P. C'est bêta, point, le polynôme et dernière propriété qui est aussi évidente, si on fait 1 point le polynôme P, donc à l'intérieur ça fait 1 fois le coefficient à 0 plus 1 fois le coefficient à 1 x, donc jusqu'au dernier si on veut 1 fois à n xn, 1 fois à 0 puisqu'on est dans K ça fait à 0 plus A1 x jusqu'à AN xn. C'est-à-dire on retrouve le polynôme P. On retrouve le polynôme P. Donc finalement, donc on a bien vérifié que l'ensemble des polynômes, K de x, mené de l'addition entre les polynômes, et la multiplication externe d'un polynôme par un élément de K, est un K espace vectoriel. Donc R de X plus point est un espace vectoriel sur R, C de X plus point est un espace vectoriel sur C. Un autre exemple intéressant des espaces vectoriels qu'on utilise en analyse et auquel donc il faut faire attention à partir de maintenant. Donc on utilise les propriétés, ces propriétés-là sans faire attention. Donc, première propriété. Donc, si on va prendre quel que soit F, G, H, des applications qui sont définies donc, de R dans R, et quel que soit alpha, bêta appartenant à R, donc on va vérifier les propriétés des espaces, d'un espace vectoriel. Première propriété. Si on fait F, P,
plus G. Donc là, j'utilise la couleur rouge, F plus G. C'est l'addition entre les applications. F plus G, j'appelle F plus G, cette application, je l'appelle par exemple U. Et je prends V, c'est G plus F. Je vais comparer ces deux applications. Donc ils sont définis, donc UV, on a U qui est défini donc de R dans R. Donc à X, il associe donc F de X plus G de X. L'application V, il va aussi de R dans R. À X, il associe donc G de X plus F de X. Là, une petite remarque, la somme qui est là, on est entre des éléments de R. F de X appartient à R, G de X appartient à R. Donc ça, c'est une addition dans R. Là, c'est une somme de deux éléments de R. Donc je veux comparer les fonctions U et V. Donc U et V sont toutes les deux définies de R, vont de R dans R. Donc pour les comparer, donc ils ont déjà même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et je dois comparer le résultat sur chaque x. C'est-à-dire si j'ai u de x égale à v de x, quel que soit x dans R, donc u va être égal à v. On a, quel que soit x appartenant à R, si je fais u de x, ça va me faire f de x plus g de x. Et d'après la commutativité dans R, donc la commutativité de l'addition dans R, là ce sont des réels. C'est la même chose que g de x plus f de x. Et ça, c'est la même chose que l'application v appliquée à x. Donc j'ai quel que soit x appartenant à R, u de x égale v de x. Ils ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, d'où l'application U égale l'application V. C'est-à-dire que F plus G en tant que fonction, c'est égal à G plus F en tant que fonction. Donc là, je détaille un peu pour essayer de faire comprendre au maximum. Donc la commutativité de l'addition entre les fonctions, il est donc acquise. Donc on l'utilise, on analyse sans faire attention, mais là je détaille. Maintenant, la même chose pour l'associativité. Si je prends quel que soit x appartenant à R, je vais comparer F plus G plus H appliqué à X. Donc ça c'est une fonction qui va de R dans R. Ça va me donner F de X plus G plus H de X. C'est la définition de l'addition de deux fonctions, celle-là et celle-là. Ensuite, c'est égal à F de X plus, là entre parenthèses, ça va me faire G de X plus H de X. Et c'est égal, là les trois éléments qui sont là sont des réels. J'utilise l'associativité de l'addition dans R. C'est la même chose que f de x plus g de x entre parenthèses plus h de x. Et c'est égal. Là, c'est la définition de f plus g, le tout appliqué à x, plus h de x. Et là, c'est la définition, j'utilise la définition de la somme de deux fonctions, f plus g, ensuite plus h, le tout appliqué à x. Donc, quel que soit x, j'ai cette fonction appliquée à x est égale à cette fonction appliquée à x. Et là, avant, je fais quand même quelques précisions. Donc, la somme qui est là, c'est la somme entre fonctions.
La oscillation entre deux fonctions. La oscillation entre fonctions. La oscillation entre fonctions. La oscillation entre fonctions. Là, j'utilise une autre couleur. Là, f de x est un réel. G de h, g plus h de x est un réel. Donc là, c'est la somme entre des réels. C'est la somme dans R. Là, c'est la somme dans R. Là, c'est l'addition dans R entre des éléments de R. Là, c'est l'addition entre des éléments de R. L'addition entre des éléments de R. Là, c'est l'addition entre deux éléments de R pour voir la différence. Donc là, c'est l'addition. C'est plus dans R. Et en rouge, donc c'est plus, c'est la loi plus, c'est plus dans l'ensemble des fonctions. C'est l'ensemble dans R, l'addition dans R. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble des applications donc de R dans R. Donc à partir de ce résultat, donc j'ai quel que soit x appliqué à R, cette fonction appliquée à x, c'est la même chose que cette fonction appliquée à x. Ils ont le même ensemble de départ et d'arrivée, donc d'où f plus g plus h, cette fonction-là, a le même effet et la même que l'application f plus g plus h. Et là, on parle de l'addition entre les fonctions. Ce qui signifie que l'addition entre les fonctions est une opération, est une loi qui est associative. Je fais g plus h, ensuite plus f, ou bien f plus g, ensuite plus h, c'est le même résultat. Donc elle est commutative, elle est associative. Maintenant, si on prend, il faut lui trouver un élément neutre pour cette loi de composition interne. Donc soit l'application nulle, notée, on va noter grand 0, donc qui va être définie de R dans R, qui a x associé 0. Ça c'est le petit 0 de R, l'élément 0. Et ça, c'est l'application 0 appliquée à x est toujours égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc ça, on sait que c'est une application définie de R dans R, donc sa courbe elle est représentée par l'axe des x. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de f? F plus l'application 0 appliquée à x. C'est f de x plus l'application 0 de x, f de x plus le 0 de r, qui est égal à f de x. Donc c'est vrai à gauche, c'est vrai aussi à droite. Donc là, j'utilise les couleurs, donc l'application f plus l'application 0, j'applique donc à x, ça me fait f de x est un réel plus 0 de x est un réel. Ça fait f de x plus 0 qui donne f de x. Ceci donc, quel que soit x appartenant à R, je peux faire ce calcul. Donc, d'où l'application f plus l'application nulle, c'est la même chose que l'application f. Ils ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée. Ils sont égales sur tous les x qui sont dans R. Donc, j'ai f plus l'application 0. C'est égal à l'application f. Donc c'est vrai. Donc, et d'après la commutativité, c'est aussi égal à 0 plus f. D'après la commutativité, c'est aussi égal à 0 plus f. Donc 0, on a un élément neutre. Donc d'où l'élément neutre de 0 de E, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui vont de R, qui sont définies de R dans R, c'est l'application 0, l'application nulle. C'est l'application nulle. Donc l'addition entre les fonctions, il a un élément neutre qui est donc la fonction nulle.
Il reste donc la propriété 5, la propriété 4, pour avoir une structure de groupe commutatif. Donc, pour f, f, donc défini de R dans R, on note moins f, c'est la fonction qui est définie de R dans R, qui a petit x, associé l'opposé, c'est-à-dire moins f de x. Donc, pour ces écritures-là, le moins qui est là, moins f, ça définit cette fonction-là, de cette façon-là. Et le moins qui est là, c'est l'opposé de f de x. Donc, f de x appartient à R, là, c'est son opposé. C'est f de x par exemple, 5, là, c'est moins 5. Il faut faire attention entre ce symbole-là et celui-là. Ça, c'est le symétrique de f en tant que fonction. On va le voir tout de suite. Ça, c'est l'opposé de f de x en tant que réel. Donc si on fait f plus l'application qu'on vient de noter par moins f, on obtient, c'est la même chose que moins f plus l'application grand f, ça donne l'application 0. Puisque f de x plus moins f de x, ça donne toujours 0. Donc puisque quel que soit x appartenant à R, f plus moins f appliqué à x, c'est égal à f de x plus moins f de x, qui est égal donc à 0. Donc c'est la fonction grand 0 appliquée à x. Donc c'est la même chose que la fonction 0. En précisant ici que toujours ici la somme, c'est la somme entre fonctions, celle symétrique de la fonction f. Et là, pour vérifier l'égalité ici, donc on va appliquer à x. Là, c'est la somme entre deux éléments de R, f de x plus moins f de x, qui est donc 0. Donc, on a donc les quatre propriétés d'un groupe. Donc, il reste à vérifier les autres propriétés. Les autres propriétés, donc ça fait... Les autres propriétés, donc on les vérifie tout de suite. Mais à chaque fois, il faut faire attention à chaque pas et à chaque calcul pour bien comprendre cette notion d'espace vectoriel. Il n'est pas difficile, mais il n'est pas non plus simple. Mais avec un peu d'attention, donc on fait le calcul doucement, on fait la différence entre les opérations qu'on fait, les éléments qu'on utilise, donc on arrive à avoir, à comprendre facilement cette notion. Donc il reste donc la cinquième propriété. Si on fait alpha point f plus g, cette fonction-là, qu'on peut appeler u, alpha point f plus alpha point g, qu'on peut appeler v. Pour comparer ces deux fonctions. Donc f plus g va de r dans r, donc point alpha, ça va être de r dans r. La même chose ici, ce sont l'ensemble de fonctions qui vont de r dans r. Donc on a u et v, toutes les deux sont définies de r dans r. Il reste à voir, est-ce que, quel que soit x, u de x, ça donne la même chose que v de x. Quel que soit x appartenant à r, on va commencer par calculer u de x, qui va donner. Donc, en utilisant la définition de la multiplication externe, ça fait alpha fois f plus g appliqué à x. Et c'est égal alpha fois f de x plus g de x. On calcule ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Là, ce sont des éléments de R. Donc, ça fait alpha fois f de x plus alpha fois g de x, qui est égal, donc alpha fois f de x, donc c'est alpha point f, le tout appliqué à x, plus alpha point g, le tout appliqué à x. Et ça, ce n'est autre que l'application alpha point f, plus l'application alpha point g, le tout appliqué à x, c'est-à-dire c'est v
2x. Et là, on rajoute quelques couleurs pour faire les différences. Donc là, on a U2x. U, c'est alpha point f plus g, la définition de la multiplication externe d'une fonction. Donc c'est U2x, c'est alpha fois l'image de x par cette fonction-là. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc la somme ici, c'est une somme entre deux fonctions. La somme qui est là, c'est une somme entre les fonctions. Et là, c'est la multiplication externe. Là, c'est la multiplication externe. Ensuite, là, on a ici, c'est alpha fois, c'est la multiplication d'un réel. Là, l'image du x paraît juste un réel. Donc là aussi, c'est dans R. C'est une multiplication dans R. La somme de deux réels. Là, c'est dans R. La somme de réels, c'est toujours dans R. Là, c'est une somme de deux réels. Et là, donc finalement, on a quel que soit x appartenant à R, U de x égale V de x. Donc, d'où U égale V, c'est-à-dire la fonction alpha point f plus g, c'est la même chose que alpha point f plus alpha point g. Là, évidemment, c'est la somme entre les fonctions. Multiplication externe. Donc, on a la cinquième propriété. La sixième propriété, si on fait alpha plus bêta d'abord, point une fonction f, qu'on peut appeler u, et là on va faire alpha point f plus bêta point f, qu'on peut appeler v. Donc toujours u, v, ce sont des fonctions qui vont de R dans R. Il reste à comparer leur application à x. Donc quel que soit x appartenant à R, si on fait u de x, ça va nous faire, en utilisant la définition de la multiplication externe, d'abord c'est alpha plus bêta, c'est-à-dire lambda point f, le tout appliqué à x. Donc par définition de la multiplication d'une fonction par un scalaire, c'est alpha d'abord plus bêta fois l'image de x par f, qui est égal à alpha, bêta, f, vu que ce sont des réels, ça c'est alpha fois f de x, plus bêta fois f de x. C'est égal, en utilisant une multiplication externe d'une fonction par un réel, ça fait alpha point f, le tout appliqué à x, plus bêta point f, le tout appliqué à x. En utilisant la définition de la somme de deux fonctions, ça fait la fonction alpha point f, plus la fonction bêta point f, le tout appliqué à x, c'est-à-dire v, on retrouve v de x. Donc quel que soit x appartenant à R, u de x égale v de x. Donc d'où u égale v, c'est-à-dire alpha plus bêta point f, c'est la même chose que si on fait alpha point f plus bêta point f. Là aussi quelques un peu couleurs, donc pour les opérations qui sont là, là c'est une somme entre deux fonctions. Là la multiplication externe avec du rouge, là la multiplication externe. Là c'est la multiplication externe, là c'est la multiplication externe, là c'est la multiplication externe entre un réel et une fonction. Là, c'est la somme entre fonctions. Un peu de vert. Là, alpha plus bêta, c'est une somme de deux réels, donc on est dans R. Là, on est dans R. Donc lorsqu'on applique f à x d'un réel, donc là, c'est une multiplication dans R. Là, une multiplication dans R. L'addition, c'est grâce à la distributivité, on obtient ça. Là, c'est la somme entre des réels. Là,
c'est la somme entre deux réels. Et là, c'est une somme de deux fonctions. Donc, il faut mettre ça en rouge. Donc, finalement, on a la sixième propriété. Donc, il nous reste à vérifier la propriété 7, la propriété 8. La propriété 7, on va poser alpha fois bêta point f égale u et alpha point bêta point f égale v. Donc u et v sont bien définis de R dans R, puisque là ce produit, ces fonctions sont dans R. Maintenant il faut comparer. Donc pour chaque x appartenant à R, on va calculer u de x. Et on va voir est-ce que ça donne le même résultat que v de x. U de x, donc ça fait alpha fois bêta, entre parenthèses, point f, le tout appliqué à x. Par la définition de la multiplication externe des fonctions par un réel, ça fait alpha fois bêta, c'est-à-dire ce réel fois l'image de x par f. Et là, d'après la distributivité, la associativité de la multiplication dans R sont des réels, les trois quantités sont des réels, c'est alpha fois bêta fois f de x qui est un réel, qui est égal, donc c'est égal à alpha, donc que multiplie à l'intérieur bêta fois f de x. Ça, c'est en fait la fonction bêta point f appliquée à x, qui est égal, là on a quelque chose de la forme alpha fois g de x. Par définition de la multiplication externe, c'est alpha point g qui est donc bêta point f, le tout appliqué à x. Ce qui est égal donc à v de x, ce qui était v de x. Donc d'où l'application alpha fois bêta point f, c'est la même chose que alpha point bêta point f. On a les mêmes fonctions. Donc on a la sixième, la septième propriété. Là, on utilise donc quelques couleurs. Là, c'est la multiplication externe. Là, c'est la multiplication externe. La définition de la multiplication externe pour les points qui sont ici. Et en vert, ce qui se passe dans R. Là, multiplication de deux réels. Là, multiplication de deux réels fois f de x qui est un réel. Là, tout ça c'est dans R. Grâce à l'associativité de la multiplication, là, c'est alpha fois. Et bêta fois f de x, c'est bêta point f, le tout appliqué à x. Donc là, c'est alpha fois bêta, c'est un réel. Donc, finalement, on a la septième propriété. Donc, il nous reste la dernière propriété pour conclure. Donc, la dernière propriété. Huitième propriété, on va la faire tout de suite ici. Huitième propriété. Si on pose u, c'est la fonction 1, point f. Donc u, on a quel que soit x appartenant à r, à quoi est égal u de x? U de x égale la fonction 1, point f appliquée à x. Par définition de la multiplication externe, c'est 1. C'est ce réel fois la fonction f appliquée à x. 1 fois f de x, c'est f de x. Puisque f de x est un réel, 1 est un réel. Donc on obtient f de x. Donc on voit que quel que soit x appartenant à r, u de x, c'est la même chose que f de x. Donc nous, la fonction u égale la fonction f. C'est-à-dire, donc ils ont même effet. Donc 1 point f, c'est la même chose que f.
Donc, c'est tout pour cet exemple-là.